chemin. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Job. Job dit à partir de verset 1. Alléluia. Amen. Il dit, ah, un jour, les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu sont réunis. Alléluia. Amen. Les diables aussi étaient au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre. Alléluia. Amen. Il y avait le fils du diable au milieu d'eux. Alléluia. Amen. C'était Judas Iscariote. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Partout les enfants de Dieu se réunissent. Alléluia. Amen. Il y a les enfants du diable aussi. Alléluia. Amen. C'est pour cela ce matin. Alléluia. Amen. Avant d'aller en avant, nous allons détruire. Alléluia. Amen. Tous œuvres du malheur au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque il y a l'œuvre du malheur au milieu de nous. Alléluia. Amen. Il vient souiller la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Il vient nous donner l'assouplissement. Il vient nous donner. Alléluia. La distraction. Alléluia. Amen. Il vient nous donner le découragement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prier. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Car le Seigneur Jésus nous a donné l'autorité. Alléluia. Amen. Ce matin, alléluia, tu vas prier. Alléluia. Amen. Pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Depuis la maison. Depuis la maison. Là. Là. Où est sorcier. Où est sorcier. Où est mystique. Où est mystique. M'a touché. M'a touché. M'a jeté les flèches. M'a jeté les flèches. Les flèches m'ont touché. Les flèches m'ont touché. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin. Ce matin. Je suis ta présence. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute flèche. Toute flèche. Je l'ai mis à jeter. Parle-moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Vous m'en touchez. Vous me donnez. Vous me donnez. Là vous demande. Là vous demande. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je monte en feu. Thank you.
Dans le livre de Genèse 1 à partir de verset 2 et verset 3, il dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier ce matin encore. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu dis que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout ténèbre. Tout ténèbre. Qui m'a suivi. Qui m'a suivi. Depuis la maison. Depuis la maison. Jusqu'à ce lieu. Jusqu'à ce lieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je prie à ton nom. Je prie à ton nom. Que ta lumière soit de ma vie. 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 Que ta lumière apparaît. 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 Thank you.
Ésaïe 22, verset 22. Le Seigneur te dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car il a saisi la clé. Je saisis la clé de la maison de David. De la maison de David. J'ouvre toute porte. J'ouvre toute porte. Ennemi. L'ennemi. Et emprisonner mon âme. Emprisonner mon âme. Afin que mon âme sort. Afin que mon âme sort. Afin que mon âme adore. Afin que mon âme adore. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Afin que mon esprit adore. Afin que mon esprit adore. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ferme toute porte. Je ferme toute porte. Par lesquelles. Par lesquelles. Les esprits de famille. Les esprits de famille. Les esprits de la sorcellerie. Les esprits de la sorcellerie. Les enfants du malin. Les enfants du malin. Entre. Entre. Je ferme ces portes. 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 Thank you.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Regarde. Josué. Alléluia. A fait descendre des grosses pierres. Alléluia. Amen. Pour briser l'ennemi. Alléluia. Amen. L'ennemi, son rôle, c'est de t'empêcher d'aller au ciel. Alléluia. Amen. C'est de t'empêcher de te connecter dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est de te surveiller. Alléluia. Pour t'égaler loin de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je lève ma main d'autorité. Fais-toi. Fais-toi. Seigneur Jésus. Fais descendre. Les grosses pierres. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Et à cause de leur témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus brise tout envoûtement. Amen. Le sang de Jésus brise toute œuvre de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Et pour cela, tu vas invoquer le sang de Jésus. Afin que le sang de Jésus descende à ses lieux. Pour briser tout envoûtement, pour briser toute œuvre de la sorcellerie à ses lieux, pour briser, alléluia, amen. Alléluia, toutes œuvres de la sorcellerie, toutes œuvres des ténèbres à ses lieux, qui empêchent la présence de Dieu à ses lieux. Tu vas invoquer le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Quel est le sang de Jésus? Descends maintenant, Seigneur. Le sang de Jésus, descends maintenant, Seigneur. Le sang de Jésus, descends maintenant, Seigneur. Le sang de Jésus, descends maintenant. Le sang de Jésus, descends maintenant. Pour le sang de Jésus. Pour le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus.
Dieu nous dit dans le livre des prophètes du Juif, à partir du verset 10, il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Alléluia. Mm-hmm. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Alléluia. Mm-hmm. Alléluia. Mm-hmm. Le nom de Jésus, qui est le nom de l'Éternel. Alléluia. Mm-hmm. C'est une tour forte autour de nous. C'est le nom de Jésus qui nous couvre. Mm-hmm. Alléluia. Mm-hmm. Même si l'ennemi jette des flèches, Alléluia. Amen. Même si l'ennemi tire sur nous, le nom de Jésus que tu vas évoquer, c'est le nom de Jésus qui va te couvrir. Amen. C'est le nom de Jésus qui va couvrir à ces lieux. Le nom de Jésus est un anti-missile. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela tu vas te préparer ce matin à évoquer le nom de Jésus. Pendant que tu es en train d'évoquer le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas voir que les murs seront tombés. Alléluia. Pendant que tu es en train d'évoquer le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus va fléchir les genoux. Ils vont disparaître. Car la parole de Dieu nous dit dans le livre de Philippiens 2, à partir du verset 9 et 10, que tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te préparer et tu vas élever ta main d'autorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme un bon soldat. Alléluia. Amen. Et nous allons invoquer le nom du roi des rois. Le nom du Dieu vivant. Mm. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Mm. Le nom qui est la puissance. Mm. Le nom qui est la force. Mm. Le nom qui est le feu. Amen. Le feu de Bora. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je.
Amen. Je dis shalom à ton frère. Je dis shalom à ta sœur. Alléluia. Shalom à
ta sœur, et à ton frère. Alléluia. Mais tu n'as pas dit shalom. Alléluia. Amen. Le roi, le roi. Amen. Alléluia. 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 Regarde. Matthieu 21, verset 9. Verset 8. On va commencer à partir du verset 8. Matthieu 21. Matthieu chapitre 21. Matthieu 21. Matthieu 21, verset 8, 9. La plupart des gens de la foule étendu leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupaient les branches d'arbres. Et enjonçaient la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts, Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. Alléluia. Au temps de Jésus, lorsque Jésus est rentré en Jérusalem, alléluia, il y a eu des personnes qui ont accueilli Jésus. De tous leurs cœurs, ils ont ouvert leur cœur, ils ont ouvert leur âme, ils ont ouvert leur esprit. Alléluia. Lorsqu'on va préparer le chemin du roi de gloire, lorsqu'on va accueillir le roi de gloire, alléluia, tu ne vas pas faire, alléluia, selon la chair, mais bien aimé, tu vas faire de tout ton cœur. Alléluia. Car en Dieu de Jésus, bien aimé, il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque le roi de gloire fasse son appel, alléluia, nous devons lui rendre toute la gloire. Alléluia. Amen. 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 Alors prépare le chemin. Alléluia. Amen. Afin que le roi de gloire vienne prendre toute la place à ses pieds. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis porte. Porte. Et le dévolento. Porte. Il passe en paix, il passe en paix, il passe en paix, il passe en paix.
Alléluia. Tu as appelé le roi de toi. Il passe son entrée maintenant. Adonai, passe son entrée maintenant. Maintenant, Seigneur. Passe son entrée maintenant. Passe son entrée maintenant. Passe son entrée maintenant. Passe son entrée. Et mes amis, Seigneur Jésus, tu passes son entrée maintenant. Tu fasses 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 son entrée. 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 Tu fasses son entrée. Maintenant. Fasses son entrée. Tu fasses son entrée. Laisse-moi. Je m'attends à la visite.
t'ai dit la visite. Je m'en ai dit la visite. Je te veux. 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 Descends et brise les liens ce matin. Descends et brise les liens de la servitude ce matin. Descends et brise les liens de l'esclavage ce matin. Descends et brise les liens du péché ce matin. Descends et brise les liens de la sorcellerie ce matin. Il ne suffit pas de dire amen. Est-ce que tu es prêt pour la rencontre du roi des gloires? Alléluia. 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 Plusieurs d'entre nous ne sont pas encore prêts. Alléluia. 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 Pour la rencontre du roi des gloires. Alléluia. 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 Plusieurs d'entre nous, alléluia, ne sont pas encore prêts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les cœurs de plusieurs sont fermés. Les cœurs de plusieurs sont dans les ténèbres. Les cœurs de plusieurs sont dans les ténèbres. Les cœurs de plusieurs sont dans les ténèbres. Plusieurs ne sont pas encore prêts. Plusieurs ne sont pas encore prêts. Plusieurs ne sont pas encore prêts pour la rencontre de l'époux. Pour la rencontre de l'époux. Plusieurs ne sont pas encore prêts. Plusieurs ne sont pas encore prêts. Pour la rencontre du roi des gloires, du roi des gloires. Oh, bien-aimé, plusieurs d'entre nous ne sont pas encore prêts. Ne sont pas encore prêts. Tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Car tu ne sais pas quel jour. 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 La trompette peut sonner pour toi. La trompette peut sonner pour toi. Bien-aimé, tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Tu dois être prêt à tout moment. Tu dois être prêt à tout moment. Plusieurs vont attrister. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Plusieurs vont attrister. L'Esprit de Dieu. Le feu de plusieurs sont éteints. Le feu de plusieurs sont éteints. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu dois être prêt pour la rencontre du roi des gloires. Tu dois être prêt. Tu vas être prêt. Tu vas être prêt.
prisonnière. Alléluia. Alléluia. Se comporte juste. Quand ils sont dans la maison de Dieu. Mais à la maison, ils sont autre chose. Tu es encore dans les ténèbres. Ton cœur est dans les ténèbres. Ton cœur est dans les ténèbres. Oh, bien-aimé, les temps sont finis. Tu dois être prêt à tout moment. Ne te dis pas, je suis un enfant. Oh, j'ai l'avenir devant moi. Oh, tu n'es pas le maître de ton souffle. Tu n'es pas le maître de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les temps sont finis. Tu dois être prêt pour la rencontre du roi de gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les cœurs de plusieurs sont encore dans les ténèbres. Les cœurs de plusieurs sont encore attachés aux choses de ce monde. Sont encore attachés aux convoitises. Oui, bien-aimé. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es prêt pour la rencontre du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu dois être rempli de son feu. Tu dois être rempli de son esprit. Tu dois être saint. Saint, corps, âme et esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Tu dois être prêt à tout moment. Tu dois être prêt à tout moment. Tu dois être prêt à tout moment pour la rencontre du Dieu vivant. Tu dois être prêt encore. L'esprit de prière dort encore. L'esprit de prière dort encore. L'esprit de prière dort encore. Oh, bien-aimé. Il est temps pour toi de te réveiller. 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 Car il n'y a plus de temps. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Il est temps maintenant de sortir. Oh, des hypocrites. Beaucoup sont hypocrites. Beaucoup sont hypocrites. Mon péché. Mon père saigne. Oh. J'ai dit de poser mon pardon à mes pieds. Oh. J'ai dit de poser mon pardon à mes pieds. Mes enfants bien-aimés, je vous aime. Laissez vos pardons.
laissez vos soucis. Mais ne venez pas à ma présence. Je dis toujours, moi on est dans la présence de Dieu, on a un souvent de Dieu, c'est la relation à Dieu. C'est la relation à Dieu. Alléluia. C'est la relation. Depuis que c'est assis dans le fond là-bas. Lorsque Dieu donne le blessés, c'est des personnes qui sont à Dieu. C'est des personnes qui parce que c'est des personnes qui sont les devant de prier. Mais tu fais du mal à qui? Dans une atmosphère où l'adoration est glorifiée le nom de Dieu, tout ce qu'on va demander à Dieu manifeste. Je crois que le Seigneur est présent pour nous délivrer votre cœur fermé. Le Seigneur est présent pour guérir votre cœur fermé. C'est vous qui s'y plaît, le Seigneur vous en prie. Il a déjà fait le prix pour vous. Il a déjà fait le prix pour vous. Tu veux, tu ne veux pas, tu seras jugé. Parce qu'il a déjà fait le prix. Donc à toi le temps de te lever. Le juste et le mauvais seront jugés. Donc c'est vrai que Dieu le presse, ma foi de sens. On ne peut pas avoir l'adoration de la foi de Dieu, et puis tu vas le faire fermer. On est venu de voir. Normalement, à un moment donné, c'est vous qui êtes l'esprit de l'homme de Dieu. Mais j'avais ce dit que ma chère, c'est lui qui transpire. Et vous voulez. Il peut la vie de l'esprit, vous ne vous transpirez pas. Vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas faire l'esprit. On va aller tout le monde à la maison. Parce que ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine d'être ici ce matin. Parce que je pense que quand on vient à la maison, on vit la gloire de Dieu, c'est que Dieu soit heureux. C'est que Dieu donne la joie. Parce que ces enfants sont là. Mais vous êtes là avec votre peuple enfermé. Pourquoi? Quel est le problème depuis que Dieu ne veut pas l'aider? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu traverses et Dieu ne peut pas l'aider? Si tu mets des problèmes au devant, c'est que tu n'as pas compris la parole de Dieu. Parce que ton problème, il t'a c'est malgré ça, c'est que tu ne pas l'aider. Ton problème que tu ton problème te fatigue là, c'est juste qu'en plus, c'est pas grave, c'est pour ça que tu ne peux pas l'aider. Comment tu ne peux pas l'aider comme ça qui? Comme ça Dieu, et puis oublie ton problème. Même si tu n'as pas mangé hier, Jésus est Dieu. Ça ne change pas sa nature. Alléluia. Ça ne change pas sa nature. On ne peut pas braver la pluie, nous bénir, c'est bien. Et puis faire son cœur, tu vois. S'il n'y a plus la pluie, il y a plus la pluie, c'est 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 la pluie. Ceux qui n'ont pas voulu la vérité, ils sont à la maison de l'église. Maintenant, quand tu as pris la maison de l'église, ouvre ton cœur, qui a donné dans la vérité en esprit. Il dit, je viens de la vérité en esprit et en vérité. Si tu n'es pas connecté à l'homme de Dieu, tu ne vas pas l'esprit, tu n'es pas vérité. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas connecté à l'homme de Dieu, c'est que tu n'es pas l'esprit, tu n'es pas vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans le deuxième passage. Dès que ça nous tient 5 à partir du verset 12. Est-ce que c'est l'ancien?
5, à partir du verset 12. Nous vous prions, frère, il s'agit de vous. D'avoir de la considération. Pour ceux qui travaillent parmi vous. Qui vous dirigent dans le Seigneur. Et qui vous exhortent. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas toi, il s'agit de toi. Alléluia. Si un homme de Dieu vient s'arrêter ici. Alléluia. Bien-aimé, toutes les paroles qui vont dire. Bien-aimé, tu vas obéir. Si tu n'obéis pas, c'est comme c'est Dieu que tu n'obéis pas. Alléluia. Amen. Lorsque tu viens te mettre à la chair. Alléluia. C'est le Seigneur qui va te guider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne regarde pas. Moi qui suis ici, il ne faut pas me regarder. Alléluia. Alléluia. Mais regarde le Seigneur Jésus. Tu n'es pas venu enseigner pour moi. Tu es venu pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Lorsque je suis ici, c'est le Seigneur qui va mettre ses paroles dans ma bouche. Alléluia. Afin de vous exhorter. Afin de vous diriger. Afin de vous guider. Alléluia. Amen. Alléluia. N'hésite pas. Tu ne prends pas ses paroles à cœur. Ce n'est pas à moi que tu es en train de te moquer. C'est à toi que tu es en train de te moquer. Amen. Alléluia. Amen. Car ce n'est pas moi-même qui a voulu être là. Alléluia. Amen. Car c'est le Seigneur Jésus qui a voulu cela. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si l'homme de Dieu part, tu fermes ton cœur. Ah, bien-aimé. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui a en train de te moquer. Mais le roi de toi, c'est lui-même qui te donne. Les sous des filles. Alléluia. Amen. Nous sommes réunis ici au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis la bien-aimée. Tu vas prendre la position d'unité et tu vas rentrer à toi-même. Le Seigneur demande ta sincérité. Bien-aimé, le Seigneur demande ta sincérité dans la repentance. Le Seigneur te dit. Dans Jérémie 3, à partir du verset 13, il dit, reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là, tes pas vers les dieux étrangers, sous toute ta perte, et tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel, oui, tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Lui permet ton cœur est rempli des ténèbres, d'hypocrisie. Oh, bien-aimé, rentre à toi-même sur ma tête. Commence à parler à Dieu 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 sur ma tête. Assez pour. Le message que j'ai reçu, je suis en force. Je n'ai pas parlé de faire ça pour moi. Je dis que c'est pas pour que je me taise.
qui m'a donné le message de pour son église. Dans le son, on était à proximité de Bethlehem. Et la porte d'Abraham disait que le Seigneur a un message pour son église. Que le Seigneur a un message pour son église. Et à nouveau, le Seigneur m'a saisi. Le Seigneur dit, pendant que nous combattons entre nous, les ténèbres avancent. Pendant que tu combats ton frère, pendant que tu combats ta soeur, c'est pas être l'ennemi. Les ténèbres gagnent. Que son église dort, que son église est distraite. Que nous avons perdu l'objectif par lequel il nous a rassemblés dans ce réveil. Le Seigneur dit que nous avons perdu l'objectif pour lequel nous avons rassemblés dans ce réveil. Que les ténèbres sont en train d'avancer. Les ténèbres sont en train de gagner du terrain pendant que nous combattons entre nous, pendant que nous divisons. Et que beaucoup ont oublié ce pourquoi il les a envoyés ici. Il dit beaucoup ont oublié ce pourquoi il les a rassemblés ici. Je m'étais sûr. J'ai gardé le message pour moi. Mais ce matin, ça me brûle. Le Seigneur dit de ne pas me taire, que c'est pour son église. C'est pour son église. Il dit de son église que son église se réveille. Il dit Jésus revient. Réveille international, Jésus. Réveille-toi. Car les ténèbres gagnent le terrain. Pendant que tu es distrait, les ténèbres gagnent. Les ténèbres sont en train de gagner, sont en train de régner. Voici le message du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu as entendu le message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes ici pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Bien aimé, apôtre Abraham ne peut pas te conduire au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apôtre Abraham ne peut pas te conduire au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu a choisi apôtre Abraham pour t'enseigner, pour te montrer le chemin. Amen. C'est toi qui dois marcher sur cette chemin étroite. Amen. En faisant la violence sur toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on ne vient pas ici pour contrasser quelqu'un. On ne vient pas ici pour haïr quelqu'un, pour jalouser quelqu'un. Mais on vient ici. Alléluia, pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Alléluia. Amen. Les temps sont finis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis la nuit, ce que le Seigneur nous mettait à cœur, et ce qui m'a montré en son, c'est la repentance. Je ne sais pas pourquoi. Il dit la repentance. La repentance. La repentance. Alléluia. Regarde bien aimé. Il faut voir les catholiques, les musulmans. Et ils ne connaissent pas Dieu. Et ils vivent comme ils veulent. Ils pêchent comme ils veulent. Dieu même, il ne fait pas, il ne se réveille pas. Et ils vivent déjà dans le péché. Mais toi, que le Seigneur t'a retiré. Alléluia. Dans le monde. Alléluia. Il t'a envoyé dans la bergerie pour te préparer pour aller au ciel. Chaque fois, bien aimé. Quand tu t'es loin de la présence de Dieu, Dieu t'interpelle. Alléluia. Père, c'est pour te dire que le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. Chaque fois, si tu te détournes du Seigneur Jésus, il te ramène sur les trois chemins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Père, il est temps pour nous maintenant. De mettre de l'ordre dans notre vie. Alléluia. Amen. Plusieurs ont attristé l'esprit de Dieu à cause de toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Amen. À cause de l'hypocrisie. Alléluia. Chaque dimanche, quand on se voit ici, tu souris avec ton frère. Oh, ah ok. Dans les secrets, tu passes tout ton temps à murmurer contre ton prochain, contre ton frère, à les calmer, à les critiquer. Ça, c'est de l'hypocrisie. Alléluia. Amen. C'est de l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Une personne qui pratique l'hypocrisie ne peut pas aller au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais si le Seigneur Jésus nous rassemble,
Alléluia. C'est pour aller au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps pour nous de nous sanctifier encore. Il est temps pour nous de nous sanctifier encore. Alléluia. Durant toute la semaine, c'est que le Seigneur m'a révélé, dit quoi? Beaucoup de personnes ont attristé son esprit. Alléluia. Beaucoup de personnes, alléluia, se sont éloignées de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans la nuit, le matin du vendredi, après la prière matinale, le Seigneur m'a amené ici 1 Thessaloniciens verset 19. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui vit dans le péché, dans la jalousie, dans l'hypocrisie, dans la haine, dans la colère. Bien aimé, le feu là, ça s'éteint. Le feu de Dieu qui a s'éteint. Ça l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage. Alléluia. Éphésiens 5. À partir du verset 30. Éphésiens 5 à partir du verset 30. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 30. Uh-huh. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme. Pardon, c'est 4 verset 30. 4 verset 30. Éphésiens chapitre 4 verset 30. Uh-huh. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attire pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Il dit, n'attire pas le Saint-Esprit de Dieu. Il ne s'agit pas des païens d'ennemis. Il s'agit de nous. Alléluia. Alléluia. Nous qui avons accepté de sortir des morts. Alléluia. Amen. C'est nous que le Seigneur Jésus nous a donné son esprit. Alléluia. Amen. Uh-huh. Continue. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume. Ah, il faut attendre. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est à nous, c'est ce Saint-Esprit-là qui va nous conduire au ciel le jour de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur va descendre pour chercher son Église, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas être enlevé. Si l'esprit dort en toi, bien aimé, toi tu vas dormir comme les saintes vierges, ceux qui n'étaient pas encore prêts. Alléluia. Amen. Ceux qui n'étaient pas encore prêts. Alléluia. Amen. L'esprit dort en eux. Alléluia. Amen. Le feu est tel. Ils ne pourront pas en eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ton feu est tel, bien aimé, c'est fini, tu ne peux pas être en eux. Alléluia. Amen. Si l'esprit de Dieu n'est plus en toi, tu ne peux pas être enlevé. Alléluia. Amen. Mm-hmm. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissant. Vous pardonnez réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que l'esprit qui dort en toi doit se révéler. Alléluia. Toi-même, tu te souviens plus de tes songes. Les songes que tu fais là, tu te souviens plus de tes songes. Ton esprit sort encore. Le feu est éteint. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es sincère ce matin, le Seigneur Jésus va allumer en toi ce feu en toi. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te rappeler encore. Si tu es sincère encore ce matin, si tu couvres tout ton cœur ce matin, tu vas voir. Le Seigneur Jésus, alléluia, amen, va te remplir encore de son esprit. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à aller au ciel? Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, je te dis. Apôtre Abraham ne peut pas te suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas te donner la vie éternelle. Bien-aimé, tu viens pas ici pour plaire à Abraham. Mais pour plaire au prophète Daniel. Alléluia. Tu vas tout faire pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Car c'est lui seul qui peut te conduire dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur choisit ses serviteurs pour vous exhorter, pour vous enseigner, pour vous montrer le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien le Dieu pour la parole de Dieu. Tu n'es pas la parole de Dieu en pratique, c'est un zéro. L'Esprit de Dieu en toi, c'est cette parole qui nourrit cet esprit. Alléluia. Amen. Le fait qui est en toi, c'est cette parole, la prière, le jeûne, la sanctification, la justice, la crainte de Dieu qui anime ce fait en toi. Alléluia. Amen. Si toi tu ne pratiques pas ces choses, le fait sera éteint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas rentrer en toi-même ce matin. Tu vas rentrer en toi-même ce matin. Au plus profond de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Ne regarde pas ton frère. Bien-aimé, ne regarde pas ta sœur. Les temps sont finis. Alléluia. Mais ne me regarde pas. Mais regarde le roi de gloire. Regarde le Dieu vivant. Regarde le Dieu puissant. Dis-lui ce matin que tu reconnais tes fautes. Dis-lui ce matin que tu reconnais tes iniquités. Oui, bien-aimé, commence à parler à Dieu ce matin. 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 Parle 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 à Dieu ce matin. D'un cœur sincère. D'un cœur sincère. D'un cœur sincère. Rentre à toi-même. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. À quoi ça sert si tu ne reconnais pas tes fautes? À quoi ça sert si tu ne reconnais pas tes iniquités? À quoi ça sert, oh bien-aimé, si tu ne renonces pas tes choses de moi? À quoi ça sert de prier dans ta présence? Oh bien-aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis, les jours sont mauvais. Les temps sont finis, les jours sont mauvais. Parle à Dieu ce matin. 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 Les pierres se tiennent. Les pierres se tiennent. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Oh bien-aimé, répands-toi. Oh, 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 oh
Ézéchias, c'était un roi. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe 38, verset 1, il dit: en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui. Et il dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Alléluia. Regarde ce que Ézéchias a fait. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Il dit: ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché dans ta
avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchiel répandit d'abondantes larmes. Alléluia. Alléluia. Larmes. Oui, bien. Lorsque ta réponse est sincère, dans cela, regarde, dans ma famille, nous étions côté maternel. Nous étions tous arrivés de l'esprit de colère. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a délivré de la colère en faisant la repentance sincère. Ce jour-là, c'était à Bassam. On nous dit de faire la repentance. Ce jour-là, moi, j'ai fait la repentance de tout mon cœur. Ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu pour me libérer de la colère. Depuis ce jour-là, je ne manifeste pas la colère. Alors, avant, j'étais colérique. Mais le Seigneur m'a délivré de la colère en faisant la repentance sincère. Bien aimé, si ta repentance n'est pas sincère, c'est zéro. Même si l'Esprit de Dieu descend. Ceux qui sont sincères, c'est la même dans leur cœur. Sont disposés dans leur cœur, sont sincères. C'est ces personnes-là que le Seigneur va les visiter. C'est ces personnes-là que le Seigneur va les toucher. Alléluia. Amen. 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 Tu vas répéter après moi. Tu vas disposer ton cœur. Alléluia. Celui qui pardonne toutes les iniquités, celui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit tous tes malades, qui guérit tous tes malades, celui qui délivre ta vie de la force, celui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté, qui te couronne de bonté et de miséricorde, et de miséricorde, celui qui rassasie de bien, celui qui rassasie de bien ta vieillesse, ta vieillesse, qui te fait rajeunir, qui te fait rajeunir comme l'aigle, comme l'aigle, l'Éternel, l'Éternel, ta justice. Fait justice, il fait voix, il fait voix à tous les opprimés, à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses voix à Moïse, ses zèbres aux enfants d'Israël. L'Éternel, est miséricordieux, et compatissant. Là la colère, là la colère, est riche en bonté, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à tous. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés. Autant les cieux sont élevés. Au-dessus de la terre. Au-dessus de la terre. Autant sa bonté. Autant sa bonté. Est grand pour ceux qui le craignent. Est grand pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Autant il est loin de nos transgressions. Autant il est loin de nos transgressions. Comme un père à compassion, de ses enfants, l'Éternel, à compassion, de ceux qui le craignent, car ils ont le poids, nous sommes formés, ils se souviennent que nous sommes, poussière, l'homme ses jours, sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur, des champs. Lorsque mon père n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus, mais la bonté de l'Éternel dira jamais. Pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants, de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, ils se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai prié à l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis. L'iniquité. L'iniquité. Nous avons été méchants. Nous avons été méchants. Et rebelles. Et rebelles. Nous sommes détournés. Nous sommes détournés. De tes commandements. De tes commandements. Et de tes ordonnances. Et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté. Nous n'avons pas écouté. Tes serviteurs. Tes serviteurs. Les prophètes. Les prophètes. Qui ont parlé. Qui ont parlé. À ton
nos chefs, à nos pères, à nos pères, à tous les peuples, à tous les peuples. Du pays, à toi Seigneur, est la justice, à nous la confession des faces, à nous la de face. À ce jour, à ce jour, aux hommes de Juda, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, aux habitants de Jérusalem, à tout Israël, à tout Israël, à ceux qui sont prêts, à ceux qui sont prêts, à ceux qui sont loin, à ceux qui sont loin. Dans tous les pays, dans tous les pays, où tu les as chassés, où tu les as chassés, à cause des infidélités, à cause des infidélités, dont ils se sont rendus coupables, avec toi, Seigneur, à nous la confusion des fois, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandus sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre notre Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aie compassion de nous, 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 ne retire pas, ne nous retire pas ton esprit saint, ton esprit saint, ne nous retire pas, ne nous retire pas ton esprit saint, ton esprit saint, ne nous retire pas, ne nous retire pas ton esprit saint, ton esprit saint, ne nous retire pas, ne nous retire pas ton esprit saint, ton esprit saint. Regarde-nous Seigneur, regarde-nous Seigneur, regarde-nous Seigneur, regarde-nous Seigneur, regarde nos péchés, regarde nos péchés, regarde nos fautes, regarde nos fautes, regarde nos fautes, regarde nos fautes, Jésus, 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 à toi, comme Ézéchias, comme Ézéchias, comme Ézéchias, comme Ézéchias, comme Ézéchias, comme Ézéchias, comme Ézéchias. Je suis un peu plus de
présence. Dispose ton cœur à sa 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 présence. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh, fais le pas. Seigneur Jésus. Voici tes enfants. Voici tes enfants. Ils ont connu, oh Père. Ils ont connu leur faute. Ils ont connu leur transgression. Oh Père de gloire, Père éternel, souviens-toi dès maintenant. Souviens-toi dès maintenant. Souviens-toi dès maintenant. Père, comme tu es descendu en Égypte, oh Père, pour délivrer les enfants d'Israël. Adonai, Adonai, tu restes le même Jésus-Christ. Tu restes le même. Tu n'as point changé. Tu restes le même. Tu es le même. Tu restes le même. Aujourd'hui. Tu restes le même. Oh Jésus, tu es le même. C'est toi qui délivre, Père. Oh Seigneur Jésus, regarde les cœurs qui te sont soumis. Regarde les cœurs sincères. Regarde les cœurs sincères. Regarde les cœurs sincères. Regarde les cœurs sincères. Oh Père, regarde les cœurs sincères. Père, regarde les cœurs sincères. Descends maintenant. Les cœurs sincères. Les cœurs sincères. Descends maintenant. Tous les cœurs maintenant.
Ainsi par le ténèbre, il était le frère, il était le frère, il était le frère, il était le frère. Remonte-toi maintenant. Éclaire 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 maintenant.
Mets ça dans son cœur. Le soir de l'amour, 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 le soir de l'amour
grâce la plus belle. T'as envahi. T'as envahi. T'as envahi. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons chanter ces cantiques. Sur le Dieu des esprits me touche. Sur le Dieu des esprits. Je t'en prie,
Sa puissance.
Chacune 10 minutes. Alléluia. 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 Amen. Sois connecté toi encore. Alléluia. Sois connecté à l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et marche plus selon la chair. Et marche selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Car Jésus est à la porte et les temps sont. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Jésus. Tu vas bénir son nom. Pour ce moment, élève la voix, dis merci à Jésus. Alléluia. Plus de joie là, c'est Jésus. Plus de cœur. Jésus. Plus de cœur. Jésus. Plus de cœur. Jésus. Plus de victoire. Jésus. 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 Plus de cœur. Jésus. Jésus. De cœur. Jésus. Plus de joie. La foi de l'amour du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que c'est vraiment un que le message que tu as préparé. Le Seigneur avait déjà donné à sa servante âme. Alléluia. Amen. Là, le thème de l'enseignement, c'est de l'ennemi qu'il faut combattre. Alléluia. Amen. De l'ennemi qu'il faut combattre. J'ai besoin de mes peurs. On va voir Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Je lis la parole de Dieu avec respect. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, et ceux qui sont déjà au ciel. Malheur à la terre, malheur à la terre, et à la mer, et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Le diable est sur la terre, il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps. Amen. Le thème de l'enseignement, c'est l'adversaire qu'il faut combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, étant dans ce monde, sur cette terre, nous sommes sur des champs de bataille. Attention. Alléluia. Amen. Nous sommes sur des champs de bataille. Amen. Et nous sommes une armée du Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes des soldats du Seigneur Jésus. Amen. Et il est lui-même le colonel, ou soit le général de son armée. Alléluia. L'un de la tribu de Dieu. Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, il y a deux armées qui existent dans le monde. Deux forces qui dirigent le monde. Quand tu es dans le monde, tu es enrôlé dans l'armée de Satan. Sans le savoir, tous tes choses seront pour la gloire de Satan. Mais lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus,
Du moment où tu as confessé le Seigneur Jésus, automatiquement tu es enrôlé dans l'armée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, celui que tu dois combattre, c'est Satan. Alléluia. Amen. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse avant de continuer à développer le thème. Bien-aimé de Dieu, comment combattre les méchants? Quand on a lu Ephésiens 6:12, l'apôtre Paul, j'aimerais que tu prennes l'autre parce que c'est très important. Voilà. L'apôtre Paul va nous dire que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Alléluia. Et bien aimé de Dieu, ce matin, je te prends que nos ennemis en chair qui sont des méchants, nos frères et soeurs qui sont méchants contre nous, on doit aussi les combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre Matthieu chapitre 5, verset 39 et le verset 44. Comment combattre les méchants, les hommes, nos frères et soeurs qui sont méchants? Matthieu chapitre 7, verset 39 et le verset 44. Mais moi, écoutez, mais moi, et dis mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. De ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Je vais vous passer 44 secondes. Oui. Je continue. Mais moi, je vous dis, amenez vos ennemis et aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Les méchants qui sont aussi des hommes comme nous, nous devons les combattre. Alléluia. Amen. Juste simplement en les faisant du bien. Si quelqu'un te maudit, toi, en retour, tu ne vas pas envoyer le feu. Tu vas le bénir. Dans la loi, c'était dit que elle pour elle est dent pour dent. C'est-à-dire que si tu sais que je suis ton ennemi là, c'est que je te fais, tu vois ce que je fais. Mais dans la grâce, le Seigneur Jésus dit: bénissez ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On va prendre Romains 12, verset 9 à 21. Romains 12, 19, 21. Romains 12, verset 19. C'est la parole de Dieu, au nom de Jésus. Ne vous vengez point vous-même. Bien aimé, mais laissez agir la colère car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Au verset 20, mais si ton ennemi a faim, la Bible dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Tu dois lui donner à manger. S'il a soif, si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. C'est-à-dire que celui qui te lance des pierres, celui qui cherche à mettre des roues, des bâtons dans des roues, voici comment est-ce que tu vas le combattre. Ah, en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Amen. Reprends, s'il te plaît. Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Arrête-toi-là. Bien-aimé de Dieu, tu dois comprendre qu'une personne qui est méchante à ton égard, une personne qui ne peut pas te voir, une personne qui a la haine dans son cœur contre toi, bien-aimé de Dieu, ne doit pas te venger toi-même. Alléluia. Alléluia. Mais voici comment est-ce que tu dois le combattre. Allons. Car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Au verset 20, mais si ton ennemi a faim, celui qui est en train de te maltraiter, celui qui est en train de te jeter la pierre, il va avoir faim.
Alléluia. Quand il va finir de te critiquer là, il va avoir faim, il va avoir soif, il va avoir un besoin. Toi, avec tout, parce que comment est-ce que tu vas le combattre? Donne-lui à manger. Tu dois lui donner à manger. S'il a soif. S'il a soif. Donne-lui à boire. Tu dois lui donner à boire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé de Dieu, j'avais un témoignage ici. Ça fait très longtemps. À ce moment, les hommes ne sont pas venus. Une fois, il y a un monsieur qui a son entreprise et son frère est en compromis avec ce monsieur. Comme le monsieur, son entreprise prospère, son frère envoie des brigands pour aller tuer son frère. Alléluia. Amen. Quand le brigand, le tueur, est venu au nom de son frère, au nom de l'autre, qui envoie des gens pour le tuer, la dame a bien reçu le tueur. Ça va bien, la manière la dame a pris soin du monsieur. Il a oublié qu'il avait une mission pour tuer ce monsieur. Et quand le monsieur est venu encore, Diamanel, le monsieur l'a pris, le brigand, il était puissant pour tuer le monsieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prendre un exemple avec vous, c'est vraiment très fort. Il y a plein. On va bien. C'est un exemple. Le professeur est de retour. Voilà. J'aime bien les images pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Amen. Alors, les deux sont frères. Alléluia. Amen. Chacun son entreprise, chacun son entreprise. Excuse-moi. Lui, son entreprise prospère. L'autre est jaloux de son frère. Parce que Dieu est dans ses activités. Alors, excuse-moi. Il va envoyer un brigand pour tuer Paul. Alléluia. Amen. À cause de la jalousie qu'il a pour Paul, à cause de la haine qu'il a pour Paul, qu'est-ce qui va se passer? Bien. Alléluia. Donc, quand le brigand, il va voir le brigand pour tuer Paul, c'est un coup. Ils sont déjà au foyer. Alléluia. On ne sait pas, il y a plus de faire des vaches. Amen. Alors, quand le brigand est arrivé chez Paul, Paul est encore dans la chambre. Madame au salon va accueillir le brigand. Il va bien le traiter. Celui qui est venu tuer a faim. Celui qui est venu tuer a soif. Homme de Dieu, allons. Mais si ton ennemi a faim. Si celui qui est venu te tuer a faim. Donne-lui à manger. Tu dois lui donner à manger. S'il a soif. S'il a soif. Donne-lui à boire. Tu dois lui donner à boire. C'est obligatoire. C'est une manière de combattre ton ennemi. Car, en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Pendant que tu lui fais du bien, ce sont des charbons que tu mets sur sa tête. Donc le brigand qui était venu tuer Paul, après de ce que sa femme l'a bien accueilli, déjà il est devenu faible. Alors lorsque Paul descend, il lui demande des nouvelles, il prend bien soin de lui, il oublie sa mission. Alléluia. Amen. Et il va commencer à se confesser. On dit que, ah, ton frère, il m'a envoyé te tuer. Ah, tu es une bonne personne. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, bien-aimé de Dieu, voici comment est-ce que vous devez combattre le méchant. Si ton frère est méchant contre toi, quand il a un besoin, il faut l'aider. Et en le faisant, si ce sont des charbons, attends que tu en as sur sa tête. Alléluia. Amen. On va prendre Luc 6, verset 28. Il y a encore une autre histoire que je comptais ici. Il y a un chrétien qui avait un voisin païen. Mais chaque fois le chrétien part annoncer l'évangile à ce voisin, le voisin païen ne veut pas accepter. Il se saoule, il vient dessus le voisin. Lui qui est chrétien, et chaque fois il insulte des suites. Un jour, le méchant, le voisin, qui sa femme enceinte devait accoucher, et pendant la nuit, il allait frapper aux portes du voisin qui est chrétien. Vous dites que ma femme, elle va accoucher maintenant. Si tu peux m'aider, me donner l'argent pour que tu s'amener à l'hôpital. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le chrétien, il va le résister. Il va dire, mon Jésus, que tu es sur tous les jours là, c'est lui qui me donne l'argent. Donc il va te donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu,
la dame est morte dans le chemin. Elle avait un enfer. Quelques années plus tard, l'homme de Dieu, où le chrétien il est mort, il allait en enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a envoyé une personne pour aller visiter l'enfer. Et ce chrétien est en train de témoigner, voyez ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Bien aimé de Dieu, quelqu'un te fait du mal, toi en retour, fais-lui du bien. Quelqu'un te maudit, que Dieu te bénisse. C'est une manière de combattre la personne. Tu n'as pas prié pour que le Seigneur envoie le feu. Regardez les disciples de Jésus. Lorsqu'on devait arrêter le Seigneur Jésus, quelqu'un dit, je ne sais pas si c'est Jean, si c'est Pierre ou ça. Il dit, veux-tu que nous invoquons le feu pour la consumer? Jésus ne l'a dit pas. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Alléluia. Femme de Dieu, allons. Luc chapitre 6, verset 27 à 28. 28. 28. Je lis au nom de Jésus. Bénissez ceux qui vous maudissent. Tu dois bénir ceux qui te maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Celui qui te maltraite, tu dois prier pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, c'est une parenthèse. Si ton frère est contre toi, ton frère te persécute, ton frère te fait du mal, il veut même te tuer, toi en retour, fais-lui du bien. C'est une manière de le combattre. Et Dieu qui est le vengeur de ses enfants, il va se venger de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Alors, nous allons entrer dans le thème. L'adversaire qu'il faut combattre. Quand on a dit Apocalypse 12, verset 12, nous voyons que Lucifer, le diable, Satan, est animé d'une grande colère. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Seigneur, on dit qu'il y a encore temps. Son Lucifer, dans son calendrier-là, son temps est très court. Ça ne vaut même pas deux jours. Donc, il fait des choses avec courage, avec détermination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé de Dieu, nous allons voir ce que l'apôtre Paul nous dit au verset. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 12, dans 6, verset 12, car nous n'avons pas à combattre. Aidez-moi à faire la lecture. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Allons-y. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Amen. Bien aimé de Dieu, je disais tantôt que le monde est connu par deux forces, Dieu et Satan. Alléluia. Amen. Satan est le général de son armée. De même que Dieu est l'éternel des armées, Satan est le général de son armée et il a comme caractère la colère. Il fait toutes choses par la colère. Paul, serviteur de Dieu, va nous dire que notre combat n'est pas contre les hommes. Alléluia. Amen. Mais notre combat est contre les dominations. Alléluia. Amen. Les dominations sont un type d'esprit qui gouverne le monde. Alléluia. Amen. Les dominations. Quand on parle de domination, il s'agit de l'esprit Goliath qui gouverne le monde, qui domine le monde. Alléluia. Amen. Quand les autorités sont aussi des esprits au service de Lucifer pour combattre les enfants de Dieu. Quand le prince de ce monde de ténèbres, quand on parle de prince de ce monde, il ne s'agit pas. La Bible précise que quand le prince de ce monde de ténèbres, c'est-à-dire que le prince des ténèbres, Satan est un roi et il a plusieurs princes. C'est quoi ça? C'est satanique. Alléluia. Ou les satanistes. Tout cela travaille au service de Lucifer. Quand les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien aimé de Dieu. En haut, il y a des esprits là-bas, des entités démoniaques qui sont au premier ciel, au deuxième ciel, ou ceux qui sont tombés en extase, qui ont été enlevés pour voir, pour monter, pour aller au paradis. Beaucoup témoignent que au premier ciel, il y a comme une cosmique
qui est là, qui empêche les enfants de Dieu, lorsqu'ils prient, les sept cosmiques là empêchent les enfants, après les enfants de Dieu de monter. Alléluia. Ce sont ces entités qui sont là-bas. Quand les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Alléluia. On va prendre Colossiens 1:16 et Éphésiens 1:22. Notre combat est contre les dominations, les autorités, les princes de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 1:16. Colossiens 1:16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Éphésiens 1:21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, dans ce qu'il vient de lire, il y a encore d'autres entités que l'Éphésien n'a pas mentionnées. Nous avons les trônes. Homme de Dieu, s'il peut reprendre la lettre. Colossiens 1:16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Homme de Dieu, si tu peux m'aider, tu ne vas pas voir. Troisième, les princes de ce monde de ténèbres. Quatrième, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est selon Éphésiens 6:12. Quatrième, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est selon Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il y a aussi les trônes. Selon Colossiens chapitre 1, verset 16 et Éphésiens 1:28. Il y a aussi les dignités. Les dignités. Bien-aimé de Dieu, tu dois comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, voici les entités que nous devons combattre. Et ces entités ont à la tête Satan. Tous ceux-là, prochainement, on va entrer dans les détails. Alléluia. Tous ceux-là travaillent sous l'ordre ou sous l'autorité de Lucifer. Ce sont ces entités que nous devons combattre. Et notre frère et notre soeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tout ce que la chair nous explique, bien mené, ce sont ces entités qui sont derrière. L'apôtre Paul les appelle les œuvres de la chair. Quand quelqu'un se met en colère contre une personne, il est poussé par elle entité. Cette entité, c'est elle qui domine la personne. Alléluia. C'est là que celui qui est animé d'un esprit, quand il se met en colère, tu ne peux pas le calmer. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ma vie. Autrefois, moi, je suis devant vous. Quand il me met en colère, tant que je n'étais pas comme ça, vous êtes jeté loin, casser ton bras et je ne laisse pas. Alléluia. Amen. Je me rends compte bien que j'étais dominé par cet esprit-là. Alléluia. Amen. Si vous voyez une voisine au quartier, voilà, tout le monde devrait parler de pas laisser, bien aimé de Dieu, il ne faut plus qu'aller demander pardon. Prendre l'autorité pour dire esprit,
lâche sa vie. Alléluia. Alléluia. Parce que quand une personne est agitée par la colère, ce sont ces entités qui sont dans la vie de la personne. Alléluia. Mais tout ce que la chaîne nous propose aujourd'hui, regardez les images pornographiques. Calomnier son frère, mentir, voler. Voici les entités qui contrôlent le monde et nous poussent à agir contre la volonté de Dieu. D'après quoi les appelle les œuvres de la chair. Alléluia. Alléluia. D'après quoi il a dit les œuvres de la chair. Quand on dit œuvre, c'est travail. Donc voici ce que les esprits font. Tout ce que nous ne pouvons pas pécher, ce sont ces esprits qui sont derrière. Alléluia. Alléluia. Et selon les écritures, Satan est identifié dans plusieurs versets de la Bible. Alléluia. La Bible parle de Satan, et de Satan, mais sous différents noms. Amen. 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 On va aller dans les détails. On va prendre Somme. Chapitre. Dans le 11, verset 13. Somme 91, verset 13. Somme 91, verset 13. Je lis la parole de Dieu avec respect. Tu marcheras sur le lion. Sur le lion. Et sur l'aspie. L'aspie. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Le lionceau et le dragon. Alléluia. Amen. Bien aimé de Dieu, le Seigneur Jésus est le lion de la tribu de Juda. Satan aussi, c'est un lion. Alléluia. Amen. Ici, lion, on parle de Satan. Pas de ton parole de Dieu. Aspie. Aspie. On parle de Satan. Pas de ton parole. Lionceau. Lionceau. Alléluia. Le dragon. Alléluia. Alléluia. Donc, Apocalypse, Somme 91 nous parle de. Il y a les lions, l'aspie, le lionceau et le dragon. Bien aimé de Dieu, il s'agit de Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voici l'identité, ou l'identité de Satan selon le livre de Somme 91, verset 13. Le lion. Je sois devant vous. D'accord. Le lion, l'aspie, le lionceau et le dragon. Quand on apprend Esaïe 14, verset 29, il y a un. Allons rapidement. On a beaucoup de choses. Il y a plein de deux ou trois de choses. Esaïe 14, verset 29. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée. Car de la racine du serpent sortira un basilic. De la racine du serpent. Somme. Non, Esaïe 14, 29. Homme de Dieu. Voilà. De la racine du serpent. Le serpent, c'est le diable. On va voir ça plus bas. Un basilic. Homme de Dieu. Alors, serpent. Prenez le peuple de Dieu. Serpent. Basilic, basilic, I, voilà, c'est ça, basilic, un dragon volant. La Bible nous donne les détails sur le dragon. Le dragon, c'est un animal qui vole, alléluia, qui s'envole du moins. Et arrêté, c'est le diable lui-même. Nous allons prendre l'Apocalypse 12, verset 9. On ne m'a pas lu, homme de Dieu. Apocalypse 12, verset 9. Le grand dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Le grand dragon. Il faut écrire le grand dragon. Le serpent ancien.
le diable et Satan. Le diable et Satan. Je dirais que ce sont les attributs de Lucifer. Alléluia. Amen. Ésaïe 27, le verset 1. Femme de Dieu, on peut lire ça. Ésaïe 27, verset 1. Ésaïe 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan. Le Léviathan. Serpent fuyard. Serpent fuyard. Le Léviathan. Le Léviathan. Serpent tortueux. Serpent tortueux. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen. Amen. Homme de Dieu, non, le Léviathan. Au soir, pour gagner le temps, dans même le verset, c'est là dedans. Alléluia. Amen. Voilà. Tous les versets qu'on va donner, c'est plus la peine qu'on va écrire. Prenez seulement la référence. Voilà, tout est dedans. Alléluia. Amen. Pour pouvoir avoir le temps. Dans Ésaïe, le verset 1, la Bible parle de le Léviathan, le serpent fuyard, le Léviathan serpent, tortueux et le monstre. Ésaïe, verset 1, nous parle de Satan. Il dit, l'Éternel frappera. Donc en réalité, Dieu n'a pas encore frappé Satan. Alléluia. Mmh. Alléluia. Amen. On va prendre Luc 10, verset 19. On me dit, on va faire la lecture. Luc combien? 10, 19. Luc 10, 19. Ouais. Voici. Bien. Je vous ai donné le pouvoir. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et rien ne pourra vous nuire. Les serpents et les scorpions, on dit les serpents. Quand on parle, on s'adresse à Satan, on dit le serpent ancien. Mais ici, c'est au pluriel. Alléluia. Satan, c'est le serpent. Si on parle des serpents, c'est lui qui les a affrontés. Alléluia. Les serpents font partie de l'armée de Lucifer. Et dans les sons, on va voir que serpent m'a mordu. On va voir que le serpent me poursuit. Ce sont des sorciers qui prennent l'image ou la forme du serpent pour venir combattre. C'est vrai qu'on les appelle les serpents. Alléluia. Il y a aussi les scorpions. Bien aimé de Dieu, ça n'a rien à voir avec les scorpions que nous voyons ici physiquement. Amen. On voit cela constamment dans nos différents songes. Quelle fois as-tu songé plus qu'avec les scorpions? Ce sont les sorciers. Alléluia. Amen. Ézéchiel 29, verset 3. On va lire. Ézéchiel 29, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Parle, et tu diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Amen. Amen. Comprenez que derrière la personne de Pharaon, c'est le diable. Alléluia. Amen. Regardez ici. Il dit, homme de Dieu, la maudite. Parle, et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon. Il dit Pharaon. Roi d'Égypte. Roi d'Égypte. Grand crocodile. On s'arrête là. Voilà que Dieu parle ici. Pharaon n'était plus ici. Alléluia. Il parle à Ézéchiel. Un Pharaon a existé avec Joseph. Alléluia. Dans la Genèse. Mais ici, il parle encore de Pharaon. Mais de quel Pharaon s'agit-il? Il s'agit du diable. Pharaon, roi de Chypre, grand crocodile. Continue la suite. Qui te couche au milieu de tes fleuves. Est-ce que Pharaon peut, nous connaissons tous en Égypte, est-ce qu'il était dans les fleuves? Alléluia, il avait son royaume. Mais ici, on parle de Pharaon qui demeure dans le fleuve. Qui demeure dans le fleuve? Ésaïe 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa vie grande forte épée, l'Éléviathan serpent,
Le serpent fuya, le serpent tortueux, et tu auras le monstre qui vit dans la mer. Donc c'est encore Satan qui est ici représenté comme Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile. Amen. Amen. Ézéchiel 32, le verset 2. Ézéchiel 32, verset 2. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon. Il parle encore de Pharaon. Roi d'Égypte. Roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu te lançais dans les fleuves, dans tes fleuves. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu agitais leurs flots. Amen. Amen. Ici, Ézéchiel 32, le verset 2, il s'agit encore de Satan en tant que pharaon. Et on parle de lionceau et on parle de crocodile. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel 28, le verset 2. Ézéchiel 28, le verset 2. Ézéchiel 28, verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Prince de Tyr, écoutez bien ce qui va suivre. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé. Et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Amen. Ézéchiel 28, verset 2. Fils de l'homme. Dis au prince de Tyr. Il dit au prince de Tyr. Ainsi parle le Seigneur. Écoutez ce qui va suivre. L'Éternel, ton cœur s'est élevé. Ton cœur s'est élevé. Et tu as dit, je suis Dieu. Tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici. Tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans les trésors. Jusqu'au verset 14. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru des richesses. Tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu as pris ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton exploitant sagesse, et ils sueront ta bonté. Ils te précipiteront dans ta force, et tu mourras. Comme ceux qui tombent versés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu. Sous la main de celui qui tuera, tu mourras de la mort des incirconcis. Par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Au verset, on continue. Au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Amen. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ici, allons doucement. Tout le chapitre de l'Éternel, mais tu parles de Lucifer, sous des noms, en tant que prince de Tyr, en tant que roi de Tyr. Alléluia. On va dire, voilà, on nous dit. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. Tes tambours et les flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé,
Tu étais un chérubin protecteur. Lucifer est aussi un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Voilà. Ça, c'était dans son origine. Autrefois, il était avec Dieu, il adorait Dieu. Alléluia. Donc, Ézéchiel parle de Lucifer ici et lui rappelle son origine. Il était. Je t'avais placé. Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Il était sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres excellentes. Tu étais intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres excellentes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Amen. Amen. Luc 10, verset 18, Jésus dira : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alors, voici là où Satan était auparavant. Alléluia. À cause de son orgueil, à cause de ce que son cœur s'était levé et il a dit, je suis Dieu, il dit, ah bon, je vais te précipiter. La montagne sur laquelle tu es, je vais te précipiter et je vais te jeter par terre. Et Abraham 12 nous dit, Dieu, réjouissez-vous et vous qui êtes dans le ciel. Mais malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Amen. Donc, selon ce passage, Lucifer est identifié en tant que prince de Tyr, roi de Tyr, un chérubin protecteur aux ailes déployées. Alléluia. Amen. Dieu a aussi ses chérubins. Amen. Les anges de Dieu, d'autres anges sont appelés des chérubins. Alléluia. C'est pas là ce que nous sommes en train de combattre, mais vous ne pouvez jamais vous dire chérubin. Alléluia. Chez la catholique, on va cela. Mais il s'agit de quel chérubin? Arrêtez, Lucifer lui-même, c'est un chérubin. Donc, quand tu dis chérubin, il va t'apparaître. Alléluia. Alléluia. Amen. On va prendre encore Matthieu chapitre 6, le verset 13. On va pas lire. Lucifer ici est identifié comme le malin. Alléluia. Amen. Comme le malin. Matthieu 6, verset 13. Le malin. Et Matthieu 13, verset 9. C'est encore le malin. On m'a dit Matthieu 13, verset 9. On m'a pas dit Matthieu 6, 13. Matthieu 13, 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé. Amen. Dans son cœur. Le malin, si c'est Lucifer, lorsque nous sommes dans la salle d'enseignement, lorsque les hommes de Dieu nous enseignent la parole du Seigneur Jésus-Christ, lorsque Lucifer vient, il vient pour enlever. C'est lui qui a identifié dans ce passage comme le malin. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jésus va apprendre à prier à ses disciples dans Matthieu 6, Matthieu 5, Matthieu chapitre 5, pour dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Matthieu chapitre 5. Matthieu 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'agitent. Qu'en force de parole, ils seront exaucés. Au verset 13. Au verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimé de Dieu, par moment, lorsque la manifeste la colère, c'est que nous tombons dans les pièges du malin. Alléluia. Alléluia. Amen. Tous les jours de ta vie, tu vas prier pour que le Seigneur te délivre du malin. Parce que Lucifer, on va encore le voir, il rôde comme un lion. Tous les jours de notre vie, il rôde. Lucifer n'est pas omniscient ni omniprésent.
mais par ses démons, par ses anges, alléluia, il nous surveille, nos faits et gestes, alléluia. Quand on était dans le monde, on regardait des films de guerre, bien sûr. Les soldats sont au front. Et le général et son staff, ils sont quelque part au bureau. Ils les suivent par des drones, par des radars. Alléluia. Mais s'ils sont en difficulté, ils vont les envoyer de l'aide. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes dans le monde et que nous marchons, nos gestes sont contrôlés par Lucifer. Il a ses radars. Tout de suite, tu te mets en colère. Il profite pour te lancer une flèche. Alléluia. Tout de suite, tu mens. Il profite pour écrire et te lancer une flèche. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, tous les jours de ta vie, tu vas prier pour le Seigneur te délivre du malin. Le malin ici, c'est le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand on va prendre 1 Jean 5, verset 19, nous parlerons encore du malin. Homme de Dieu, on va dire. J'ai dit Matthieu 6, 13, le malin, et Matthieu 13, verset 19, parle encore du malin. 1 Jean 9, 19, non, 1 Jean 5, 19, il parle encore, là il parle de la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Voilà, le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin ici c'est le diable. Donc le monde entier est dominé par Lucifer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 2, on parle du prince de la puissance de l'air. Alléluia. Éphésiens 2, 2. Le prince de la puissance de l'air. Tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 6, 12, nous avons dit les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Mais ici, dans Éphésiens 2, 2, le prince de la puissance de l'air, il s'agit des entités qui sont encore dans le premier siècle ou le deuxième siècle. Il y a les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, en réalité, sont de ceux qui se rébellent contre le Seigneur. Et leur père, c'est Satan. Il s'est révélé lorsqu'il était un chérubin protecteur. Alléluia, c'est quoi Dieu l'a précipité. Vous me suivez? Amen. Il y a aussi l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Lucifer s'appelle encore l'accusateur. Apocalypse 12, verset 10. L'accusateur. Et on va voir son rôle dans Zacharie chapitre 3. On va lire. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3, verset 1, verset 1, jusqu'au verset 5. Je lis au nom de Jésus. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan était où? À sa droite pour l'accuser. Satan est une autorité. Alléluia. Amen. Lorsque Satan se tient à la droite de Josué, c'est qu'il a de l'autorité sur lui. Et il faisait quoi? Que l'Éternel dit à Satan. Non, Satan faisait quoi? Il accusait. Alléluia. Amen. Apocalypse 12, 10 dit l'accusateur. Et l'accusateur, c'est le diable. Alléluia. Amen. On va continuer à lire. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime, Satan. On s'arrête là. Alléluia. Voilà, après on va revenir. Voir comment est-ce qu'on peut combattre Satan. Alléluia. Tu vas pouvoir voir le feu sur Satan. Demain encore, il est encore là. Alléluia. Alléluia. Voilà. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 10, l'accusateur. Et Zacharie, chapitre 3, le verset 1. Satan est appelé l'accusateur. Amen. Esaïe 14, verset 4. On va du roi de Babylone et le tuer. Esaïe 14, verset 4.
Alors, tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Et tu diras, et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. On va lire le verset 12. Verset 12. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu es tombé par terre. Toi, le vainqueur des nations. Arrête-toi là. Dans Ézéchiel 28, nous avons dit que Lucifer a été précipité de la montagne de Dieu. Ézéchiel chapitre 14 parle du roi de Babylone. Alléluia. Parle du roi de Turin. Mais celui-ci est encore appelé As brillant. Lucifer, autrefois, est appelé As brillant. Fils de l'aurore. Donc, quand vous entendez fils de l'aurore, c'est encore Satan dans son passé quand il était avec Dieu. Alléluia. Ça fait comme si aujourd'hui je suis président et je te suis dit, donc on m'appellera l'ex-président. Alléluia. Il s'appelle aussi le vainqueur des nations. Et effectivement, il est encore le vainqueur des nations. Alléluia. Il gouverne le monde en donnant ses commandements aux dirigeants. Et par là, toutes les nations sont vaincues. Alléluia. Et Jean chapitre 10, le verset 10. Jean 10. Parle de Lucifer en tant que le voleur. Alléluia. Amen. Celui qui vole là, qui l'anime? Qui l'anime? C'est le diable. Est-ce que quand on est en tant qu'enfant, les mamans nous apprennent à voler? Non. D'où est venue cette pensée que je sais qu'il y a bien de la sorte que je ne peux pas voler? C'est Lucifer qui m'explique. Donc cette expression est démoniaque. Jésus parle de Lucifer en tant que voleur. C'est quoi? Tous ces agents, qu'ils soient prostitués, alléluia, qu'ils soient pasteurs, prophètes, tout leur rôle c'est de voler les étoiles. Même les brigands dans la rue, ils sont animés de Lucifer. Tu as ton téléphone. À cause de ton téléphone, ils vont te voyager pour t'arracher le téléphone. C'est le rôle de Satan. De tous ceux qui volent, sont animés de Satan. Donc si tu voles, la parole est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Autrefois, je voulais Dieu dans les dix. Le jour que m'a donné la semaine, dit Seigneur, parle pour moi. Alléluia. Donc, bien aimé de Dieu, tous ceux qui volent sont animés de Satan. Voici l'identité de Jean 10 en tant que voleur. Amen. Amen. Daniel chapitre 10, le verset 13, on va lire. Daniel 10, le verset 13. Daniel chapitre 10, verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. C'est Gabriel qui parle ici. Gabriel a été envoyé lorsque Daniel était en train de jeûner pour prier. Il faisait 21 jours de jeûne pour sa nation. Quand il a commencé à prier, sa prière a monté. Et Dieu a envoyé l'ange pour venir lui donner les ossements. Mais quand il est arrivé au royaume de Perse, le chef l'a bloqué. Toi et moi, on est collés serrés ici. Donc il va falloir que Daniel persévère dans la prière. Pour que Dieu envoie notre ange pour libérer Gabriel. Alléluia. Alléluia. Bien aimé de Dieu, tout à l'heure, je vais t'envoyer aussi que là-haut, il y a le premier ciel, le deuxième ciel. Comme vie cosmique, c'est là-bas que Satan frappe les anges. Tu pries pour quelque chose, deux jours, trois jours, quatre jours, tu ne vas pas vite te dévoiler. Non, l'ange est en route, mais il a été bloqué là-bas. Donc tu dois persévérer, c'est en persévérant que Dieu va encore envoyer notre ange pour pouvoir libérer ton ange pour que tu puisses avoir les chaussements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'ange, il n'a pas caché à Daniel. Il a expliqué à Daniel sa situation. J'aimerais qu'on continue à nous dire. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Il dit, Michaël est venu à mon secours. Oui.
et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Vous voyez Satan? Quand il a été présidé, son pouvoir n'a pas été arraché. Donc il n'a pas l'autorité de faire ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Il a frappé l'ange. L'ange est resté là jusqu'à ce que Daniel, en persévérant, Dieu envoya Michael pour libérer Gabriel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je continue. Au verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Au verset 15. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre. On va aller au verset 20. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Alléluia. Amen. Dans le chapitre 10, le verset 13, tout le chapitre 17, parle le chef du royaume de Perse. Ça, c'est dans les cieux là-bas. Le chef du royaume de Perse. Or, le royaume de Perse existe sur la terre. Alléluia. Et le verset 20, Satan est identifié en tant que chef de Java. Il dit, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la peste. Et quand je partirai, voici, le chef de Java viendra. Bon. Excusez-moi, c'est toujours le chef de peste. Alléluia. Donc Satan est identifié dans Daniel chapitre 10, le chef de peste. Amen. Amen. On va Luc chapitre 11, le verset 15. Luc chapitre 11, verset 15. C'est ça? Oui. Ça, ce sont les identités de Lucifer que la Bible mentionne. Mais quelques-uns disent, c'est par Belzébuth, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Amen. Amen. Belzébuth, ce n'est rien d'autre que Lucifer. Il est lui-même le prince des démons. Et les gens disaient que Jésus est animé de Lucifer. Alléluia. Amen. Donc si vous entendez Belzébuth quelque part, dans la défense, un esprit se manifeste et dit qu'il est Belzébuth, dites-toi que c'est Satan qui est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc voici quelques versets qui identifient Satan. Amen. Amen. Nous allons voir maintenant la mission de Satan. La Bible ne cache pas l'objectif du diable ou sa mission. La mission du diable, dans Jean 10, verset 10, le diable est premièrement pour dérober. Alléluia. On a vu que dans ses identités, il est le voleur. Donc quand le voleur vient, il vient pour faire quoi? Pour dérober. Le diable vient pour dérober, pour égorger et détruire. Donc tous ceux qui volent, c'est Satan qui les conduit. Tous ceux qui égorgent, qui tuent son prochain, c'est Satan qui l'anime. Alléluia. Et détruit ici. Ça c'est quand tu seras dans le temps de feu. Amen. On va prendre le livre de Luc, chapitre 22, le verset 31. On va voir ce que Satan fait à Pierre. Luc 22, le verset 31. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Amen. Amen. Satan nous réclame. Toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es servant de Dieu, toi qui es venu du Seigneur, dis-toi encore là. Satan va te réclamer pour te cribler comme le froment. Alléluia. Le moment. Qui peut expliquer cribler? Alléluia. Alléluia. Amen. Souvent, quand vous préparez ce sauce-là, aubergine là, vous mettez ça sur des pierres. Comment est-ce que vous faites? Écraser. Donc, par moment, Satan nous réclame pour nous cribler comme le froment. Alléluia. Satan, il vient pour voler, pour égorger et détruire. Il vient parce que Luc 31,
Luc 22, verset 31. Pour nous réclamer et nous cribler comme le froment. Alléluia. Amen. Zacharie chapitre 3, le verset 1, on a déjà mis. Satan aussi nous accuse devant le Seigneur. Si tu ne marches pas droit devant le Seigneur, l'accusateur viendra t'accuser. Et regardez Josué, serviteur de Dieu, sacrificateur. Il était en train d'aller au ciel. Quand il arrivait devant l'ange, Satan était en train de l'accuser. Alléluia. Le bien-aimé de Dieu, tous les jours de ta vie, tu vas mettre de l'ordre dans ta vie. En le faisant, tu combats Satan. De façon naturelle, je vais venir tomber sur ma voix, je suis amené en prison. Mais si ma voix doit aller en prison, je dois l'accuser et le faire d'être juste. Oh, Satan est légaliste. Et Dieu est le Dieu de la justice. Quand même qu'il est le diable, quand même que Dieu est en train de combattre Lucifer, la Bible dit que le Fils de l'homme est venu afin de détruire les hommes du diable. Quand même que Dieu cherche à détruire Satan, au dernier moment, il va le jeter dans la flamme de feu. Si ce que Satan dit te concerne un vrai là, Dieu dit d'accord, il arrive à prouver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi Jean chapitre 13, le verset 2. On va lire Jean 13, le verset 2. Ce sont les rôles que Satan joue. Sa mission ou Jean, ses rôles. Chapitre 13, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot. Arrête-toi là. Le diable avait déjà fait quoi? Inspiré. Inspiré. Donc, par moi, le diable aussi inspire. Diable à la vie, c'est venu d'où? Inspiration du diable. Alléluia. Amen. Continue. Fils de Simon. Le dessein de le livrer. Donc lorsque le diable inspire Judas, ça vous fait quoi? C'est de le livrer. De le livrer. Donc toi qui livres les gens là, méfie-toi. Alléluia. Amen. Donc bien-aimé de Dieu, tu dois examiner ta vie tous les jours. Tes songes, tu dois examiner. Si Satan réussit à donner vision à Jésus, vous dites, regarde les plans de ce monde. Prostate-toi et adore-moi. Toi qui tu es. Alléluia. Maranatha. Ceux qui dorment ne vont pas au ciel. On s'assoit. Amen. Amen. Même regardez, lorsque Jésus était avec Pierre, Pierre a voulu empêcher le de la croix. Jésus l'a dit, arrière de moi, Satan. Parce que ce qu'il a exprimé est l'esprit du diable. Nous devons veiller sur notre bouche. Afin que lorsque le diable va respirer, il ne faudrait pas qu'on exprime cela. Alléluia. Amen. Selon Jean chapitre 13, verset 2, le diable aussi inspire. Apocalypse chapitre 12. Le verset 4, on va lire. Apocalypse 12, verset 4. Apocalypse 12, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Amen. Amen. Tu viens au verset 14, tu m'attends là. Alors, le diable aussi par moment se tient devant nous. Vous cherchez à nous dévorer. Dévorer notre vie de prière. Dévorer notre vie de jeûne. Dévorer notre vie de consécration. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, pour toi qui priais 2 heures, et aujourd'hui, tu pries 5 minutes.
sache que le diable a dévoré ta vie de prière. Alléluia. Tu vas les chasser au nom de Jésus. Le verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps, et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Au verset 17, c'est ça? Au verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Amen. Bien le Dieu, la colère que nous connaissons tous en tant que colère est inspirée du diable. Alléluia. Alléluia. Donc ne te mets plus jamais en colère quand tu es chez toi. Mais si tu dois te mettre en colère, c'est la colère sainte. Donc voilà dans ce passage que Apocalypse chapitre 12, verset 4, verset 17. Le diable s'est mis en colère contre cette femme qui était en train d'affronter. Alléluia. C'était pour dévorer son enfant. Amen. On va prendre 1 Jean 3, le verset 8 et le verset 10. Et on va pas lire 1 Jean 3, le verset 8 au verset 10. 1 Pierre 5, le verset 8. Le diable rôde afin de dévorer. 1 Jean 3, le verset 8 à 10. 1 Pierre 5. Le verset, le diable rôde pour dévorer. Actes chapitre 5, le verset 3. Satan avait rempli le cœur de Simon, le magicien. Non, Satan avait rempli le cœur d'Ananias et de Saphira. On peut lire Actes chapitre 5, le verset 3. 1 Jean 3, le verset 8 à 10. 1 Pierre 5, le verset 8. Satan rôde pour dévorer. Je l'ai déjà expliqué. Actes 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Amen. Le bien-aimé de Dieu, lorsque quelqu'un est en train de mentir, c'est que Satan vient remplir son cœur. Alléluia. Ton cœur doit être rempli du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit n'est pas un esprit de mensonge, hein, ne te poussera pas à mentir. Mais lorsqu'une personne ment, c'est que Satan a rempli son cœur. Parce qu'il est le père du mensonge. Alléluia. Alléluia. Alors, le caractère du diable, c'est qui pousse le diable à agir de cette manière, c'est la colère. Rien d'autre que la colère, après 12, verset 12 le dit. Alors, bien-aimé de Dieu, comprenons que Satan, maintenant, ne peut pas le lier. Maintenant, on ne peut pas le tuer. C'est dans la prophétie que Dieu, selon Apocalypse, que Dieu va les détruire pour toujours. Maintenant, comment est-ce qu'on doit combattre Satan? Alléluia. Comment est-ce qu'on doit combattre Satan? Bien aimé de Dieu, pour combattre Satan, Maranatha. Pas facile pour vous, hein? On s'assoit. Ne dormez pas. Soyez fortifiés. En ce moment seulement. Alors, bien aimé de Dieu, le diable c'est un esprit qu'on ne peut pas le tuer. Amen. Mais comment il faut le chasser? Pour chasser le diable, c'est simple. Tu dois avoir une vie de sainteté. Pour chasser le diable, tu dois avoir une vie de sainteté. Et une vie remplie de justice. Tu dois être rempli d'amour. Et les stratégies de Jésus-Christ, lui, il a ajouté pour combattre le diable. Jésus dira à Satan, retire-toi, selon le livre de Matthieu chapitre 4, verset 10.
Jésus va dire à Satan, retire-toi. Tu peux dire à Satan de se retirer et lui, s'il fait, il va se retirer. À moins que tu aies quelque chose qui appartient à Satan. Tu vas porter les mèches, dis à Satan, retire-toi. Il dit, mais ma chose, tu ne m'as pas encore donné. Et dans les délivrances, on a vu ça. Où Satan est en train de réclamer les mèches. On dit qu'on a là, elle m'a compté. Je ne parle pas. Alléluia. Amen. Donc, pour combattre le diable, il faut t'assurer d'avoir une vue de sainteté, une vue de sanctification. Amen. Amen. On va prendre Jean 14, le verset 30, on va dire homme de Dieu. Jean 14. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous. Jésus dit, je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. C'est Jésus qui parle de cette manière. Il dit que Satan vient, mais lui, il n'a rien à moi qui l'appartient. Le bien-aimé de Dieu, tu dois examiner ta vie tous les jours pour voir s'il n'y a pas encore la colère en toi, s'il n'y a pas la lumière en toi, s'il n'y a pas le mensonge en toi, s'il n'y a pas le vol en toi. Et pour pouvoir combattre Satan, tu dois revêtir des armes de Dieu. L'homme de Dieu, je t'avais donné l'enseignement où il avait parlé de 12 armes. Qui se rappelle encore? Qui se rappelle encore? Le reste, vous avez bien oublié. Vous avez bien oublié. Maranatha. Jésus revient pas pour tout le monde. Ceux qui doivent rester ici. On s'assoit. Donc, bien aimé, pour combattre Satan, tu dois t'assurer d'avoir une vie de sainteté. Tu dois t'assurer que Satan n'a rien en toi. Quand on va lire Jean 14, le livre de Matthieu 15, verset 13, dit tout ce qui est appelé de planter par le Père Soleil sera déraciné. Mais si tu as encore quelque chose qui appartient au diable, alors Satan n'a pas besoin que tu lui dises que je suis là et je suis ton fils. Non. Lui-même te réclame déjà pour te priver comme le froment. Amen. Donc, bien aimé de Dieu, si tu sais que tu as une vie de sainteté, tel que tu n'as rien qui appartient au diable, alors Jésus va dire dans Matthieu chapitre 4, verset 10, retire-toi, Satan. Amen. Matthieu 4, verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Le verset suivant. Au verset 11. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Matthieu 4, verset 10. Jésus dit à Satan, retire-toi. Et il s'est passé. Il s'est retiré. Alléluia. Amen. Il s'est retiré pour toujours. Amen. Amen. On va voir comment combat Satan. Zacharie chapitre 3, le verset 2. Il dit que l'Éternel te réprime. Le bien-aimé de Dieu, par moment, tu vois que tes pensées commencent à sombrer. Satan, que l'Éternel te réprime. Tu commences à prier de cette manière. Dieu veut que nous soyons connectés à lui 24 sur 24, sur toutes les secondes. Mais Satan, tout en empêcher d'être connecté à Dieu, ne lui donne des pensées impures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des pensées de haine. Le bien-aimé, quand tu commences à avoir des pensées impures, Satan, retire-toi. Satan, retire-toi. Retire-toi de mes pensées. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Au nom de Jésus. Amen. On va lire Matthieu chapitre 16, verset 23. Matthieu 16, verset 23. Je lis la parole de Dieu avec respect. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas mes pensées, les pensées de Dieu. Amen. Mais celles des hommes. Voilà. Par moment, quand nous avons les mauvaises pensées, arrière de moi, Satan. Le Seigneur ne te donnera pas de mauvaises pensées. Donc, au contraire, les mauvaises pensées viennent du diable.
vous nous empêchez d'être connectés au Seigneur Jésus-Christ. Donc voici les méthodes pour combattre Satan. Il faut se rassurer que moi, ma vie là, Satan ne peut pas m'accuser. Alléluia. Avoir une vie de sainteté et une vie de sanctification. Quand il parle de sanctification, il s'agit de trois niveaux. Âme, corps et esprit. Alléluia. Tu veux dépouiller ton corps est sain. Mais si ton âme n'est pas saine devant le Seigneur, alors Satan a du retour dessus toi. Maintenant, après avoir su que moi, ma vie est en l'ordre vis-à-vis du Seigneur Jésus, alors Satan, retire-toi. Alors Satan, que le Seigneur te recule. Arrière de moi, Satan. Amen. Amen. On va encore lire le livre de Jacques chapitre 4, verset 7 et Éphésiens, 5, 11. Le premier lecteur, Jacques 4, 7, Éphésiens 5, 11. Éphésiens 5, 11. Jacques, chapitre 4, 7, Éphésiens 5, 11. Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Éphésiens 5, 11. Jacques nous dit qu'on doit résister au diable. Alléluia. Amen. Nous, la vie de notre vie. Quand le diable nous propose ses pensées, on doit le résister. Quand le diable nous pousse à faire de cette manière, à commettre un péché, on doit le résister. Alléluia. Et il fera quoi? Il fera loin de nous. Allons, Éphésiens. Éphésiens 5, 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Tu ne dois pas participer au péché, à tout ce qui est péché, surtout ces formes. Mais plutôt condamnez-les. Tu dois les condamner. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, dans le livre de Romains, chapitre 16, verset 20, Satan sera écrasé par le ténèbre des amis. Alléluia. Amen. Pour l'instant là, tu les chasses ici. Il va louer, tu regardes. Si tu commets avant le péché, encore, alors il revient. Alléluia. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 1, Dieu enverra un grand ange. Il va saisir Satan, il va le jeter dans le puits de la vie et il va condamner cela pour toujours. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé de Dieu, je rappelle que notre combat, nous sommes une armée. Notre combat n'est pas contre ton frère, contre ta soeur. Je prends l'exemple. Si l'armée ivoirienne est en guerre contre le Burkina, pendant qu'ils sont en guerre et puis ils sont en train de se frapper, se battre entre eux, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? L'armée burkinabé va tuer tous les Ivoiriens. C'est un exemple. Amen. Pardonnez, c'est un exemple. Alléluia. Donc nous sommes tous des soldats. Que tu sois femme, enfant, vieille homme, nous sommes des soldats. Notre combat, c'est contre Satan. Les dominations, les autorités, les princes de ténèbres, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, les trônes, les dignités. C'est toutes ces entités que nous devons combattre. Alléluia. Amen. Et je vous donne pour finir, je vous donne un verset de proclamation qui s'adresse à ces entités-là. Donc prenez note. Quelques versets de proclamation qu'on en essaie. Ésaïe chapitre 15, le verset 1 jusqu'au verset 19. C'est un cantique inspiré par Moïse. Quand vous allez lire, tout le monde vous allez comprendre encore. On ne va pas lire, c'est très long. Ésaïe 15, verset 1 à 19. 2 Samuel 22, verset 1 à 51. Comment dire? Somme 18, verset 1 à 51. Somme 18, verset 1 à 51. C'est la même chose. 2 Samuel 22, Somme 18, c'est la même chose. 2 Samuel 22, et puis Somme 18, c'est la même chose. C'est ce qui a été écrit dans 2 Samuel 22, qui est sa part repris dans Somme 51. Somme 18. Alléluia. Il y a Ésaïe 14, verset 3 à 23.
vous allez voir que Esaïe s'adressera au roi de Babylone. Amen. Au roi de Babylone, c'est Satan. Quand vous allez lire, vous allez voir les yeux de Satan. Esaïe 14, verset 3 à 23. Il y a 191. Tous les chapitres de 191. Il y a 194. Il y a des sommes de guerre, des sommes de combat contre l'adversaire. Il y a des sommes de repentance, il y a des sommes de louange, il y a des sommes d'adoration. Mais ici, puisque nous sommes dans la phase du combat, je donne des sommes de combat. Somme 94. La main qui est faite, ils vont pas se tromper. D'accord. Somme 78. Somme 69. 78, le verset 49. J'aimerais qu'on lit ça. 78, verset 49. Ça continue, on n'a pas de temps, on ne sait pas à l'infini. Dites tout le chapitre. Somme 78, verset 49. Écoutez bien. Il lança contre eux son ardente colère. La fureur, la rage et la détresse. Une troupe de messagers de malheur. La Bible déclare que il ici c'est le Seigneur Jésus. Il ici c'est Dieu qui lança contre eux son ardente colère, la fureur et la rage. Bien aimé de Dieu, nous sommes dans un combat où l'adversaire est animé d'une même colère. Donc nous, on doit être animé de la rage. Alléluia. Contre les œuvres des ténèbres. La Bible déclare que le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres du diable. Nous, ses enfants. Alléluia. Amen. On doit t'animer d'une rage contre les démons. Je suis en train de dire qu'il faut prier contre un sorcier. Alléluia. Je t'ai montré comment combattre les méchants. Alléluia. Mais ici, là, c'est contre ces esprits-là. Amen. Amen. Somme 78, verset 49. Quand tu vas lire tout le chapitre, tu verras. Il lança contre eux son attaque colère, la rage, la fureur, et une troupe de messagers de malheur. Ça, c'est comme les esprits méchants, comme les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, etc., etc. Et le Somme 69, tout le chapitre de Somme 69, c'est-à-dire qui? Il y a le Somme 59, le Somme 57, le Somme 35. Il y a le Somme 29, le Somme 27 et le Somme 21. Le Somme 29, le Somme 27 et le Somme 21. Dans le Somme 29, quand vous allez prier pour ceux qui ont une vision, vous allez voir que Dieu descendra sous une forme de lion. Alléluia. La première fois que je suis en train de prier ce Somme quand le monde est dedans, je ne fais que programmer ce Somme. J'ai vu un lion. Il était blanc, costaud. Alléluia. Amen. Ses yeux étaient des flammes de feu. Ses mains, c'est le feu qui sortait dans ses pattes. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a rugi, bien aimé de Dieu, je ne pouvais pas. J'ai crié. Parce que c'est fort. Dans son bénéfice, la Bible dit que la voix de l'Éternel retentit. Et le Seigneur qui est le lion de la tribu de Juda a cette voix. Quand tu programmes ce somme que tu as disposé, tu vas te montrer de grandes choses. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Merci un peu celui que tu vas combattre. Et non, ton frère. En tout cas. Alléluia. Amen. Ça, là, si tu n'as pas combattu, lui, là. C'est lui que tu dois combattre. C'est ça. Même se mettre avec d'autres que le ciel en train de combattre comme ça. Se moquer en train de combattre.
combat. Numéré, après quelque chose que tu n'as pas dit, passe dans le numéré, c'est le combat. C'est celui-là que tu dois combattre. Tout cela. Ça, ça c'est avec la rage de. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. T'es fatigué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ton âme a été nourrie, acclame le roi de toi. Comment on combat l'ennemi, comment on combat les dominations, les autorités, les princes de l'air. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Tu dois mettre ces paroles en pratique. Il ne faut pas écouter seulement, mais de les mettre en pratique. Alléluia. C'est ça qui est très important. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Prépare ta dîner offrande. Tu vas prendre ton offrande, ta dîme, ton action de grâce, ce que tu as pu donner au Seigneur ce matin, moi, ce que tu as pu donner au prophète José, ni à l'évangéliste Élie, ni à l'évangéliste Magloire, ni à moi, mais ce que tu as pu donner à Dieu, pour envoyer ça avec choix, pour pas froisser ton visage. Il faut que ton père soit en train de faire ça. Dieu va rejeter ton offrande. Il ne faut pas te fâcher. Il faut être content de donner à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi nous sommes nous conduits dans ce moment de prendre là. Des cantiques de joie, des cantiques de délivrance, des cantiques de paix. Comment ça va? Ici, Dieu, on voit là, ça c'est la salle de grâce. Thank you.
Yeah.
étends tes mains. Prophète Daniel va prier pour la dîme de l'offrande. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Faites ta main en signe de recevoir et prions pour les offrandes. Seigneur éternel, mon Dieu, je vais te louer, je te célèbre, je te magnifie, je te rends toute la gloire, je bénis ton nom, je célèbre ton nom, je te dis merci et venez le voir. Tu nous as demandé d'apporter dans ta maison nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce. Seigneur, voici, nous avons accompli cette parole. Je prie que Seigneur te souvienne de mon frère, de ma soeur. Tu te souviens de mon frère, de ma soeur. Tu te souviens de quelqu'un, éternel le voir, qui avait déjà fait un vœu, éternel le voir, et qui a pris l'engagement ce matin de venir honorer cet engagement-là. Seigneur, je prie que tu te souviennes de nous. Je prie que tu ouvres les portes qui étaient fermées devant Dieu. Je prie que tu menaces le dévoreur. Tout porte de sécheresse, tout porte de misère qui s'est levé contre les finances soit déstabilisé, empêché, consumé par ton feu au nom de Jésus. Seigneur, quelqu'un t'a donné une offrande ce matin parce que c'est difficile dans sa vie. Je prie que tu te souviennes de lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait le blocage, là où il y avait la sécheresse. Seigneur, je prie que tu apportes l'abondance au nom de Jésus. Quelqu'un, Seigneur, il le voit. Veut faire un projet, éternel, le voir. Mais Seigneur, il n'a pas les moyens. Je prie ce matin, éternel, le voir. Que tu te souviennes de lui. Et que tu lui souviens la porte de la finance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais. Bénis cette offrande. Seigneur, à ton sang. Au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un peut dire.